Une fracture là, mon petit frère, mais on dit une vision mounena, beaucoup propagée, malheureusement, qui se passe à Kouetou. Jean-Claude Kabongo Mukengeshaï, c'est mon nom. Le Père Nagile, c'est un leader castaïen. Il est originaire de Bokangamoué, je ne me trompe pas, Bokansumpi. C'est parmi les gens qui ont milité pour l'indépendance de ce pays. Au premier expo, ça doit être en 59 ou 60, quelque chose comme ça, quand les Belges avaient amené les jeunes des pays colonisés, Ngalula Pandangila était dans la délégation. Ces jeunes colonisés du Congo, on les appelait les troubadours. On les a amenés en Europe pour les faire danser ça, nus, puis exposer, montrer que c'était des êtres inférieurs. Ngalula Pandangila n'avait pas accepté ça, parce que c'était un homme de lettres qui vous parlait très bien français, qui réfléchissait très bien, et ce comportement des Belges avait fait qu'il révolte les troubadours qui ont refusé d'aller passer en scène de l'expo. Et les Belges ont tenté de l'exclure, ils n'ont pas su parce que les troubadours s'étaient encore révoltés davantage. C'est ainsi qu'on a dû le faire revenir à la raison pour demander à ce que les jeunes gens qui étaient partis en Belgique se comporte et rentre à l'expo, tout ça, c'était à travers lui. Et il fut aussi gouverneur, c'est ça? Le premier gouverneur de cette province. Pandangile signifie celui qui balise le chemin. C'est le premier qui a fait que ce Kasaï on en parle. Ce Kasaï oriental n'existait pas à son temps. Ce Kasaï oriental a existé comme une cité minière de Bakwan. La ville et l'administration étaient à Kanan. J'ai eu admiré ses prouesses quand j'ai lu son testament qu'il avait rédigé pour ses enfants. Je n'en ai jamais vu de pareil que depuis que je suis avocat. Ah bon? Oui, j'avais vu ça. Il a pris un addendum. Il explique ses avoirs et tout ça et comment. Non. Avant sa mort? Oui, il a pris avant sa mort. Nous avons pris connaissance de ce testament en justice. C'est là que j'ai pris connaissance. Et ce monsieur continue à confirmer qu'il était grand. Il était parmi les 13 parlementaires. Mais quand Ngalula Pandangila avait régné, l'UDPS n'avait pas existé. Parce que ceux qui ont créé l'UDPS étaient avec Mobutu au pouvoir depuis, je pense, 64, dans le collège des commissaires. Le président, le leader Maximo Tshisekedi était commissaire général adjoint en charge de la justice. Ce que moi j'avais demandé, c'est ce que j'apprends aujourd'hui, parce que je ne vis plus ici. Je suis venu hier, je viens de Kinshasa. Je viens d'apprendre qu'on a fait un mausolée pour lui. C'est un mémorial, parce que quand on fait un mausolée pour quelqu'un, il ne vivra jamais. J'ai vraiment salué cette initiative. Passive. Et c'est d'ailleurs une initiative auquel même le chef de l'État devait venir pour inaugurer, parce que Ngalula Pandangila n'est pas n'importe qui. Non seulement dans la République, même et aussi dans cette province. Pandangila, là, c'est-à-dire c'est lui le constructeur de cette province. C'est ça, Pandangila. En Chilubaku, Pandangila, c'est-à-dire Kwenzangila. Ah ok, c'est lui. Donc ce n'est pas n'importe qui. Les autres leaders politiques à l'époque, il y avait Kalonji Dituma qui était président de l'État du Sud Kasaï. Le mausolée est une reconnaissance. Pardon? Le mausolée est une reconnaissance. C'était mémorial. Les gens qui passeront par là, ils vont dire, mais celui-ci c'est qui? Ngalula Pandangila.
Même les enfants qui ne l'ont pas connu vont le connaître à travers ce mausolée-là. C'est, pour moi, ça va. Ce n'est pas trop grand, mais ça va. Aux enfants de Ngolo Pandagé, ouais. Ouais. Un conseil, un mot, un message. C'est de rester unis. Parce que dans le testament de leur père, il avait dit que mes enfants doivent être unis. Doivent se considérer comme un seul homme. Et donc les enfants doivent suivre la volonté de leur père. Et en plus, bon, je ne suis pas gouverneur. Si je l'étais, j'aurais, comme on a nommé les gens de Kibasa, les enfants de Kibasa et consorts, prendre aussi un enfant de Pandangela pour honorer la mémoire de son père. Mais comme je n'ai pas de pouvoir, je suis impuissant, ce n'est qu'un point de vue qui me lie moi-même. Je ne sais pas, bon, si les autres pourront en tenir compte. Mais on a couronné toutes les familles. Moi, j'ai vu sous notre règne, c'est notre règne de Kassayen, toutes les familles sont là, mais je n'ai pas entendu le nom d'un fils de Pandangela. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne mérite pas cet honneur-là pour avoir milité pour cette province, même pour la République elle-même. C'était le père fondateur de l'IDPS. En 1982, quand ils ont fait mémoire à Mobutu, réclamant le monopartisme, que d'ailleurs eux-mêmes avaient créé, bon, pas eux-mêmes, mais les uns d'entre eux qui avaient rédigé le manifeste de l'Ancelé, avaient dit qu'il ne peut pas y avoir en République démocratique plus de deux partis. Donc le un parti était valable, était constitutionnel. C'est ça l'amendement de la Constitution de 1967. C'est ce qui a fait que Mobutu profite de ça pour faire le monopartisme. Donc leur relation, comme ceux qui s'étaient révoltés, à ceux qu'ils avaient même fondés, étaient de bonnes relations, mais à la longue, vous savez, la politique, c'est la politique. Hein, je ne connais pas les soubassements, les soubresauts, mais tout ce que je sais, c'est qu'à l'unisson, ils étaient 13 parlementaires. Donc, Malola Bandangela, ils ont fait mémoire à Mobutu, ils ont dénoncé les maux de la dictature et du monopartisme. Ça leur a valu l'emprisonnement des Mambiningalo Pandangela, Mwa Bantu Banena, Bamu Kasai, Nibamu Kongo Mujima. Walungalo Pandangela, Mutu Ajukwenzo politique. Kale Kouji. Presque avant l'indépendance, Walba Turbadour Mbaya, ou Belgique, en 1959. Mou délégation à Mwalo Pandangela, vous m'avez. Mwalo Pandangela, comme homme de lettres, vous vous plus éveillé. Qui coulbane, 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 qui Je suis Nancy Mbouyi-Yowangalula. Oui, je suis en Mbujimayi. C'est la première fois que j'arrive en Mbujimayi. Je suis arrivé il y a deux jours. Je suis venu d'abord pour aller me recueillir sur la tombe de papa et aussi pour faire d'autres démarches, en fait. Je ne pense pas que moi, personnellement, je voudrais que le nom de mon papa disparaisse. Si j'avais le pouvoir d'élever un étendard dans ce pays et de crier le nom de Ngalula 24 sur 24, je l'aurais fait. Mais ça ne dépend pas de moi. Vous avez rencontré notre papa ici, il vient de parler de Ngalula. Tout le monde connaît Ngalula. Et je pense qu'il y a des gens qui connaissent Ngalula mieux que nous. Partout où je passe, quand on sait que je suis la fille de Ngalula ou que nous sommes les enfants de Ngalula, ils nous parlent de notre papa. Il passait beaucoup de temps avec la population que ses enfants. Donc je connais papa mieux à travers les gens qui racontent son histoire.
Donc ça veut dire que je n'ai pas le pouvoir, moi, de taire. Même si moi, sa fille, je voulais le taire, les gens de la province ne vont pas le faire. Les gens ne vont pas accepter. Les gens du Kassai ne vont pas accepter. Donc ce n'est pas de ma volonté. Aujourd'hui, je suis là justement pour accompagner beaucoup de gens ici au Kassai, à Kinshasa, sont en train de se demander pourquoi on ne parle pas de Ngalula. Donc j'ai décidé de me lever, moi avec ma famille, nous sommes levés pour accompagner déjà la population qui veut qu'on parle de Ngalula et qui nous attendent depuis longtemps. Tout le monde veut que les enfants de Ngala, où sont-ils? Donc je suis là, je ne fais qu'accompagner le désir de notre peuple. Ils veulent qu'on parle de Ngalula, je veux aussi qu'on parle de Ngalula. Donc je n'ai pas le pouvoir de taire le nom de papa. Même si je le faisais, il me maudirait dans sa tombe. C'est impossible. Il a tellement fait pour ce pays. Donc je suis tout à fait d'accord avec tout le monde. Papa mérite qu'on parle de lui. Et je ne sais pas pour quelles raisons, pour des raisons politiques ou peut-être des raisons de l'ignorance, je ne sais pas. Mais il y a une volonté politique de ne pas pouvoir reconnaître ce que Ngalula Mpandangile a fait pour ce pays. Et ma mission, c'est de rappeler à tout le monde, à cette génération, la génération passée et la génération à venir, ce que Ngalula a fait pour ce pays. C'est pour ça que je suis ici à Mbujimayi. Il a grandi, il est né ici, à Lusambo. Il a étudié là-bas. Il a beaucoup fait pour la province. Vous savez pourquoi, c'est pour ça qu'on l'appelle Mpandangile. Donc il a mis tout son savoir, toute son intelligence, jeune qu'il était, il a investi. Parce qu'il voulait que cette province, à l'époque, soit une province compétitive par rapport à d'autres provinces. Donc très tôt, dans sa jeunesse, il s'est engagé, il s'est donné, il s'est dévoué à son pays. Donc je ne peux que venir ici pour l'honorer. Je ne peux que revenir là où il a commencé. C'est pour ça que je viens ici. Il n'a pas commencé ailleurs, il a commencé chez lui. Donc je ne fais que revenir sur les traces de papa, aller dans ses empreintes et créer une continuité de ce qu'il a fait. Il a posé des fondements et il est important qu'on puisse bâtir sur des fondements. On était au mausolée, il y a quelqu'un qui a dit Imprika. Je pense que les gens qui sont ici connaissent l'Imprika. Depuis que papa avait créé l'Imprika, il n'y a plus d'imprimerie à Mbujimayi. Il n'y a pas d'imprimerie. Donc ça veut dire que tout s'est arrêté là où lui il a fini. Et il est important qu'on puisse continuer. Malheureusement, je ne sais pas. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est des moyens qui manquent? Je ne pense pas. La province regorge beaucoup de richesses pour que toutes les personnes qui aiment cette province devaient bâtir et non pas reculer la province. Mon petit frère qui est à Kinshasa, Jesse Ngalula, il a essayé de faire plusieurs démarches. Que les gens veulent l'entendre ou pas, la famille Ngalula a fait des démarches. Mais la politique, elle est ce qu'elle est. Il y a comme un mur qui est créé. On a verrouillé, en fait, c'est le mot politiquement qui est utilisé, on a verrouillé. Donc, pour rencontrer le chef de l'État. Pour rencontrer le chef de l'État. Et je sais que le chef de l'État a une bonne volonté, parce que quand il est venu au pouvoir, il a mentionné le nom de papa. Et on m'a même dit qu'il avait la bonne volonté de venir retaper la maison, la résidence de papa Chikama et de faire quelque chose pour le mausolée. Mais jusque-là, on attend, on ne voit rien. Donc, je ne peux pas dire que le chef de l'État n'a pas la volonté. Je sais qu'il a la volonté, mais pour une raison ou une autre, il y a un blocage. Et puis nous sommes des humains. Nous, les enfants de Ngala, on ne peut pas aller mendier, on ne peut pas commander. On ne peut pas aller demander, oui, reconnais papa. En tout cas, on ne peut pas le faire. On a essayé de frapper les portes, et les portes qui se sont ouvertes, se sont ouvertes. Par exemple, pour le mausolée, je vais quand même admettre que depuis qu'on a construit ce mausolée, il y a quand même l'honorable Guy Mwadiamvita qui a contribué pour ce mausolée-là. Donc jusque-là, je ne connais personne d'autre qui a contribué pour pérenniser la mémoire de papa. Il n'y a que l'honorable Mwadiamvita qui, jusqu'aujourd'hui, est encore en contact avec la famille. Par contre, les autres, moi personnellement, je ne connais pas. Il n'y a personne qui est venu nous voir, il n'y a personne qui nous a contactés. On est nombreux. Peut-être eux, ils connaissent une autre génération des Ngalula, ils connaissent nos grands frères, mais on est nombreux. Personne ne nous a contactés, mais on est là. Et ils savent où on est, parce que papa recevait beaucoup de gens à la maison. Donc, les Ngalula sont à Kinshasa, on les connaît. Ma sœur qui est ici à Mbujimayi, elle est très populaire, on la connaît. Donc, ce n'est pas comme si on ne sait pas où les enfants de Ngalula sont. Abonnez-vous, partagez, abonnez-vous, 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 partagez, partagez.